I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Woo! Sweet baby Jesus in the office. Love me tender. Oh, vous êtes là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast. Je suis Nostradaben et me voici en compagnie de mon grand ami Jonathan Drapeau, a.k.a. Ocho Josh Ryan. Comment vas-tu, Joe? Yes, ça va super bien. Prends le temps de respirer, mon Ben, parce qu'on a du contenu intéressant pour nos auditeurs aujourd'hui. Et je pense que je vous ai donné la puce à l'oreille. Quel genre d'émission qu'on va avoir aujourd'hui déjà? Écoutez, chers auditeurs, on va avoir une émission spéciale sur Elvis Presley. Ça fait longtemps qu'on voulait la faire, mais on a manqué un peu de temps. Puis cette émission-là, elle nous tient vraiment beaucoup à cœur. C'est un des chanteurs qui a été les plus populaires de l'histoire de la musique et surtout du rock'n'roll. Le Hogan du rock'n'roll, faut que tu le dises. Exactement, c'est ça, c'est le pape du rock'n'roll. Ouais, le pape. Et puis, notre émission, dans le fond, va être séparée en deux sections. Il va avoir une section, dans le fond, qui va être consacrée vraiment à la biographie de M. Elvis Presley, de ses grands succès, de son histoire de vie, etc. Les dates marquantes de son existence. Exactement. Et puis, on va avoir aussi un invité spécial qui nous a fait parvenir une vidéo. C'est un ami d'enfance que Benoît et moi, on connaît bien. Et qu'on remercie du fond du cœur également. Yes, franchement. Il s'agit, dans le fond, de M. Danny Drouin, qui est un collectionneur passionné de Elvis Presley depuis la tendre enfance. En fait, M. Drouin, on va l'appeler Danny parce que Danny a notre âge. Il y a une des plus grosses collections de Elvis Presley. Il y a un musée chez lui. La vidéo, vous allez avoir la gueule qui va vous tomber, honnêtement. Danny a une des plus grosses collections de Elvis au Canada, pas nécessairement en termes d'items, mais en termes de valeur. C'est tous des trucs qui sont rares, qui sont difficiles à trouver, tout ça. Ça risque d'être fort intéressant. En fait, on va avoir la vidéo en français et en anglais. Vous pourrez la trouver sur notre YouTube channel. D'ailleurs, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram. Suivez-nous en grand nombre. Alors, je te laisse la parole, mon ami, pour débuter cette belle émission sur le grand King Elvis Presley. Et une demi-heure plus tard, non, c'est pas vrai, le 8 janvier 1935, naissance d'Elvis Aaron Presley à Tupelo dans l'État du Mississippi. Ses parents sont Vernon Presley et Gladys Love Smith. Elvis avait un frère jumeau nommé Jesse Garron, qui est né 35 minutes avant lui, mais qui est mort, lui. Et puis, dans le fond, le 8 janvier 1935... Non! Oh, excusez-moi. Dans le fond, en novembre 1948... Lorsque Elvis était âgé de seulement 13 ans, la famille Presley a déménagé au Tennessee dans la ville de Memphis. Après avoir habité pendant presque un an dans des maisons de chambre, ils ont finalement pu avoir un logement avec deux chambres dans un complexe, un petit logement public qui se nomme Lauderdale Courts. 1950, c'est à l'âge de 15 ans qu'il se met sérieusement à la musique, la guitare ayant comme mentor Lee Danson, un voisin qui est 2 ans et demi plus vieux que lui. Ouais, c'est pas mal lui qui lui a montré un peu les facettes du métier. Yes! Et puis en juin 1953, lors de sa remise de diplôme d'études au secondaire, dans le fond, Presley savait qu'il voulait faire de la musique. Et puis, il s'est passé quelque chose comme dans l'été. Ouais, le 18 juillet 1953, Elvis Presley a enregistré un single de 2 chansons en studio comme cadeau de fête à sa mère qui s'intitule My Happiness du groupe Ink Spots avec That's When Your Air Takers Begin également. Est-ce que c'est à partir de là que sa carrière elle a commencé? Ou bien, parce que moi, je me souviens qu'Elvis... Il semble qu'il y avait 17 moins, ans. Ouais. À moins que je me trompe, il y avait 17 ans, ça se peut-tu qu'il y a... C'est-tu les Beatles ou bien c'est Elvis qu'il
il avait fait plusieurs studios d'enregistrement, puis personne ne voulait signer, puis finalement... Je pense que c'est les deux, honnêtement. Puis même, je pense que Johnny Cash aussi fait partie de cette équation. Ouais, non, c'était dur dans le temps régulier. Ouais, c'est ça. Et puis, en 1954, soit un an après, la formation du groupe les Blue Moon Boys, qui a été formée d'Elvis Presley, le guitariste Scotty Moore et le bassiste Bill Black. Les membres du groupe ont été présentés par la propriété de Sun Studio Sam Phillips cette année-là. Sauf que le batteur DJ Fontana, qui a rejoint dans le fond le groupe lors d'un show à l'émission de Country Louisiana Air Ride en 1955. Ok, janvier 1955, Bob Neal, un promoteur de musique country, devient son gérant. Il a également géré certains artistes tels que Johnny Cash. Parce que c'était pas le Colonel Parker au début, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était ça qu'on explique. Non, parce que vous allez comprendre que le Colonel Parker, il a abusé sur un estitant, là, honnêtement. Côté business, honnêtement. On partira pas de rumeurs? Non, du tout. Et puis, c'est ça. En 1955, ça a été une date marquante pour Elvis, novembre. Puisque en novembre, le contrat d'Elvis avec Sun fut acheté par RCA, qu'on connaît bien. Au même moment, une entente a été convenue entre Bob Neal et le colonel Tom Parker, qu'on parlait justement juste avant, afin de partager leur commission combinée de 40% ses revenus du chanteur. Ça veut dire qu'il n'y en a rien que 60% Elvis. Oui. Christelle Vachaliste. Ah, mais attends, tu vas voir. Ah, je sais. Le 10 janvier 56, Elvis réalise ses premiers enregistrements pour RCA Victor à Nashville, Tennessee. Yes. Puis le 27 janvier 1956, il est sorti la première chanson sur le label RCA, Victor, intitulée Heartbreak Hotel, qu'on connaît bien. Et puis en mars 1956, le contrat d'Elvis avec Bob Neal prend fin et le colonel Parker devient officiellement son gérant. Ben, il l'a torsé dans le fond. Ah ben ouais, c'est sûr. C'est sûr. 23 mars 1956, sortie du premier album éponyme de Presley avec RCA Victor. Cet album est devenu le premier album de rock and roll à atteindre le sommet du palmarès Billboard. Une position qu'il a occupée durant 10 semaines, mesdames et messieurs. Puis le 3 avril 1956, Elvis a fait la première de deux apparitions dans l'émission Milton Berle Show de NBC. Puis sa performance sur le pont du USS Hancock à San Diego, en Californie, suscitait beaucoup d'intérêt et des acclamations et des cris du public des marins qui étaient présents, dans le fond. Parfait. 5 juin 1956, date où a lieu la deuxième apparition de Presley au Milton Berle Show au studio Hollywood de NBC, au milieu d'une autre tournée mouvementée. Berle a convaincu Presley de quitter sa guitare dans les coulisses en lui conseillant, et je cite, « Laisse-les te voir, fils ». Pendant la représentation, Presley a brusquement interrompu une interprétation rapide de Hound Dog d'un geste de son bras et s'est lancé dans une version lente et broyante, accentuée par des mouvements corporels énergiques et exagérés. Les girations de Presley ont créé une tempête de controverses. D'après moi, les petites filles étaient excitées. Ben oui, ben, en fait, c'est qu'à l'époque, la musique était très sexualisée, conservatrice, puis c'était. Non, c'est sexué. Ouais, là, il a sexualisé ça. Mais les chanteurs de cette époque-là étaient tous en habit, tous bien, bien coiffés, ils faisaient attention. Puis là, ben, Elvis est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, puis cool. A carrément, tu sais, pauvre chien. changé, dans le fond, l'histoire de la musique en arrivant là avec des pas de danse pratiquement inimitables et puis des mouvements de hanches qui faisaient un peu bouger les hormones de la jante féminine, comme on dit. Donc, c'est sûr que pour cette époque-là, ça a été très révolutionnaire et ça l'a fait très jaser. Là. OK, 25 juin 1956. Voulant faire carrière au cinéma, Elvis signe un contrat de 7 ans avec la compagnie cinématographique Paramount Pictures. Yes, qu'on connaît très bien encore aujourd'hui. Et puis, le 1er juillet 1956, avec le succès des apparitions de l'émission de Milton Berle, que Presley a participé à l'émission Steve Allen Show de NBC à New York, Alan, pas fan de rock'n'roll, a présenté un nouveau Elvis avec un nœud papillon blanc. Presley a chanté Hound Dog pendant moins d'une minute lors de cette apparition-là.
Puis il est parti derrière la scène. Puis je sais qu'il y a eu une altercation avec le colonel Parker. Là. C'est là un petit peu que ça a commencé, là, les flamèches. Un toi, pour peu. Moi, tu as vu le film. Hein? Ouais, j'ai moi, je ne l'ai pas vu encore, mais je sais que ça a l'air vraiment. Oui, il est vraiment bon. Si vous avez l'occasion de le voir, honnêtement, c'est à partir de là un peu que ça a commencé. Puis on dirait que le colonel Parker, de fil en aiguille, a commencé à vouloir comme se venger de quelques trucs qu'Elvis faisait, puis que, tu sais... Ouais, mais il interprète ça à sa manière, ouais, je pense. Ouais, c'est ça que ouais. Je me suis fait compter. Ah oh, oui, tout à fait, tout à fait. 2 juillet 1956, date à laquelle Presley a enregistré Hound Dog avec Any Way You Want Me. Ça se dit mal. Any Way You Want Me. Et Don't Be Cruel. Okay, c'est ça. Ces deux chansons, Don't Be Cruel avec Hound Dog, ont dominé les charts pendant 11 semaines. Une marque qui ne sera jamais dépassée avant 36 ans. Ah, ouais, c'est fou. Ben, et encore Guinness, c'est quasiment. Après ça, le 28 septembre 1956, sortie du single et la balade Love Me Tender. C'est qui chantait ça au début? Là? Je sais pas. Ça ressemble, ça. Un gros King Kong Bundy. Exactement. Et il avait déjà joué le 9 septembre lors de sa première participation au Ed Sullivan Show. Tu sais, quand tu voulais percer dans le milieu, oh, tu oui. Passais au Ed Sullivan Show. Puis après ça, ta carrière, elle explosait. Tu sais, on pense aux Beatles, d'ailleurs, qu'éventuellement, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus. C'est cette même première apparition dans le TED Sullivan Show qui a fait d'Elvis une célébrité nationale à proportion démesurée. Là. Mais, 19 octobre 1956, sortie de son second album avec RCA Victor intitulé Elvis. Cet album s'est rapidement hissé au premier rang des affiches. L'album comprend Old Shep, qu'il avait déjà chanté au concours de talent en 1945 et qui marquait maintenant la première fois qu'il jouait du piano lors d'une session RCA Victor. Yes. Puis le 28 octobre 1956, Presley a participé une seconde fois dans le fond, au Ed Sullivan Show, dans son studio principal de New York. 21 novembre 1956, sortie de son premier album, film Love Me Tender. Tu devrais faire un montage, tu me mets quand je chante Love Me Tender au début. Ça sera pas pire. Et puis, depuis le début des années 1957, les trois singles de Presley sont sortis dans la première moitié de 1957, est allé au numéro 1, Too Much, All Shook Up, and Let Me Be Your Teddy Bear. OK, 6 janvier 57, troisième et dernière apparition d'Elvis au Ed Sullivan Show. Écoute, on pourrait passer un peu là, vite parce qu'il y a quand même du stock. Là. Pour la somme de 102 500, Presley achète Graceland, qui était dans le fond un manoir situé à environ 14 km au sud du centre-ville de Memphis, qui d'ailleurs, ça n'a pas appartenu à Michael Jackson aussi, Graceland? Non, c'est une autre affaire, Michael Jackson. Il me semble qu'il y a le mot Dream dedans. Dreamland? Non, il me semble que c'est pas ça. Neverland. Ah, c'est ça! Neverland, ok. Tu t'avais dit Marineland. Non, c'est Neverland, c'est vrai. Ok, c'est bon. 9 juillet 1957, sortie du deuxième film d'Elvis Presley qui est nommé Loving You. 17 octobre 1957, sortie de l'album de Presley nommé Elvis Christmas Album. À la même date, sortie du film Jailhouse Rock avec Elvis, bien entendu. Yes! Ensuite de ça, il y a eu le 20 décembre, Elvis Presley a appelé sous les drapeaux. Un sourcil lui a accordé jusqu'à la mi-mars afin qu'il puisse tourner le film Bagarre au King Creole, ça me dirait. Non. 24 mars 1958, date à laquelle il est conscrit à Fort Chaffee, près de Fort Smith, en Arkansas. Yes. Au mois d'août, il y a deux dates, le 12 août puis le 14 août. Elvis, le 12, il a reçu une permission de congé d'armée pour aller au chevet de sa mère, gravement malade. Parce qu'on se souvient qu'à une certaine époque, Elvis a été enrôlé dans le service militaire. Puis le 14 août, ce qui se trouve à être 2 jours après, sa mère, elle est décédée à 46 ans. Sa mère qui s'appelait Gladys. Ouais, puis je l'avais publié à un moment donné. Du foie avec une crise cardiaque. Je l'avais publié, tu sais, This Day in Music. Là. Yes. Ensuite, 15 août 58, date des funérailles de sa mère Gladys. Le 1er octobre 58, une fois son training complété, Presley a rejoint la 3e division blindée à Friedberg en Allemagne de l'Ouest. Un sergent lui fait découvrir les amphétamines dont il deviendra dépendant. Ouais, ça, je m'en doute un peu. C'est lors de ce séjour à Friedberg qu'il rencontre sa future épouse, Priscilla Beaulieu, alors âgée seulement de 14 ans. Et c'est en 1959, mesdames et messieurs. OK,
qui changera de nom pour Priscilla Presley dans les prochains commentaires. Donc, le 5 mars 1960, ben, retour à la vie normale pour Elvis. Donc, il y avait 25 ans. Oui, on s'entend que quand on revient de l'armée, on est un peu capoté. Là. On connaît beaucoup de gens qui sont revenus de l'armée puis avec des séquelles. Comme Rambo, je crois. Yes, et puis... ben, je comprends un peu pourquoi il était accro à certaines drogues. J'imagine que ça le faisait un peu... ça changeait son anxiété. Puis tout ça, à cette époque-là, les gens n'étaient pas soignés. Il n'y avait pas de psychologue. Puis tout ça, fait qu'il se soignait soit avec la drogue qu'il avait ou ben l'alcool, tu sais. 20 mars 1960, Presley enregistre de nouvelles chansons au studio RCA de Nashville. Le single « Stuck on You » se classe rapidement en tête de palmarès. Yes, après ça, le 4 avril 1960, une deuxième séance permet de terminer l'enregistrement de l'album intitulé « Elvis is Back », ainsi que les ballades « It's Now or Never » et « Are You Lonesome Tonight » qui sortent également en single. 1er octobre 1960, « G.I. Blues », la bande originale du film « Café Europa en uniforme », premier film de Presley depuis son comeback, devient au premier rang des ventes à sa sortie, mesdames et messieurs. Oui, ça, dans le fond, c'est un film... il était bien en armée. Oui, mais c'est ça. Il faisait toujours des... Il fallait toujours qu'il chante dans ses films. Oui, c'est ça. Quand c'est comme des comédies musicales. Là, ouais. Ça faisait penser un petit peu à... Tu sais, le fameux premier film. Est-ce que... Ben, je vais te poser la question. Est-ce que tu sais quel est le premier film qui est sorti en image couleur de tous les temps? Au tabouin, je sais pas. C'est une bonne question. Moi, j'ai la réponse. C'est Le Magicien d'Oz. Ouais, de 1939? Ouais, le vieux... Voyons, pas Shirley MacLaine, mais c'est quoi son estime? Je me souviens pas, mais bref, tout ça pour dire que ça l'amène à dire que Le Magicien d'Oz, c'est une genre de comédie musicale. Ça fait penser un petit peu à ça, tu sais. Il y a une histoire... Mais il y a des chansons, un peu comme... Grease. Grease, c'est ça, exactement. Donc, je te laisse poursuivre, mon ami. OK, février 1961, RCA remet Elvis une plaque certifiant des ventes mondiales de plus de 75 millions de disques. Hey, à l'époque, c'était... C'est débile, 75 millions. Hey, man. Le chanteur donne un dernier show live jusqu'en 1968. C'est un concert de charité à Hawaï dont les bénéfices doivent financer un mémorial aux victimes de l'attaque de Pearl Harbor. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Pearl Harbor? Non, pas vraiment. Non, ok, parfait. Décembre 1966, quelques jours avant Noël, Elvis demande à sa future épouse Priscilla en mariage. Cool. Après ça, le premier pas me fourrer dans Pearl Harbor. Mariage, ouais. Mariage d'Elvis et Priscilla dans la suite qu'il occupe au Aladdin Hotel de Las Vegas. Leur fille unique, Lisa Mary, va naître le 1er février 1968. Début 1968, avec certains films pour le moins médiocres, le colonel Parker conclut un accord avec NBC qui verse 1,25 million de dollars pour un film et une émission de télévision spéciale pour Noël avec en vedette son poulain. Yes, puis ça vire mal, si je ne me trompe pas, cette émission-là. On va en parler. Enregistrement de cette émission spéciale intitulée Elvis à Burbank, en Californie. Cependant, dans le fond, c'est diffusé le 3 décembre dans cette même année. C'est un succès pour le réseau NBC. C'est l'émission la plus regardée de la saison avec 42% de part de marché. Avril 69, sortie du single intitulé « In the Ghetto ». Juin 69, sortie de l'album « From Elvis and Memphis ». Il est bien accueilli par la critique et le public. En effet, l'album reste plus de 20 semaines dans les charts, mesdames et messieurs. Et puis... En juillet 1969, son show à l'International Hotel de Las Vegas est un succès. Les 2200 spectateurs, dont beaucoup de célébrités, lui font 3 standing ovations. 1er août 1969, Colonel Parker négocie un nouveau contrat avec l'International Hotel. Presley fera des shows en février et en août pendant 5 ans pour un salaire de 1 million de dollars par année. Une fortune à l'époque. Ouais. À ce temps, ça pourrait être au moins 25 millions. Là. Oui, mais on va en apprendre les gars et les pas mûrs. Oui. C'était pas un million par année net. Là, je peux te dire une chose, il mangeait du Kraft Dinner. Là. Novembre 1969, sortie du film L'habit ne fait pas la femme. Le dernier film hollywoodien de Presley et du double album From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, composé par moitié des chansons enregistrées live à l'International Hotel et pour l'autre moitié
des chansons provenant des séances qui ont été enregistrées dans le fond en studio au American Sound du début de l'année. La chanson Suspicious Minds, Suspicious Minds se classe au premier rang des ventes de singles. C'est son premier numéro un depuis plus de 7 ans, mais également son dernier. Suspicious Minds, okay, le 1er juin 70, sorti de l'album Live on Stage. Yes. À août 70, Elvis Presley fait un retour à l'International Hotel. Il est filmé par la compagnie MGM, tu sais, le gros lion, pour le documentaire Elvis, That's the Weirdest. Yes, après ça, en septembre 1970, le chanteur entreprend une tournée d'une semaine dans le sud des États-Unis. En septembre, ça devait être à Hawaii, genre, sûrement. Oh, en tout cas, une première date depuis 1958. Tournée d'une semaine de concerts sur la côte ouest américaine en novembre 70, bien entendu. Ben ça, c'est le mois puis l'année que Charles de Gaulle est mort. Tu sais, celui qui a dit « Vive le Québec libre ». Ouais, il est mort en novembre 70. C'est ça. Ah, ça m'est revenu. Et puis, le 21 décembre 1970, la rencontre d'Elvis et du président américain à l'époque qui était Richard Nixon à la Maison Blanche de Washington. 2 janvier 71, sortie de l'album Elvis Country, I'm 10,000 years old. Yes. Alors, mec, dont la peau est ratatinée. Exact. Tu connais-tu Sarah? Sarah Tatine. Faut savoir ta belle-sœur. Non, c'est-tu? Début 1971, la jeune chambre de commerce des États-Unis a nommé Presley l'un des 10 jeunes hommes les plus remarquables du pays. Le 16 janvier 1971, peu de temps après, la ville de Memphis a nommé le tronçon à l'autoroute 51 Sud sur lequel se trouve Graceland, le boulevard Elvis Presley. OK, le 16 juin 71, sortie de l'album Love Letters from Elvis. 20 octobre 71, sortie de l'album Elvis Sings the Wonderful World of Christmas. Le 23 février 1972, séparation en couple de Elvis et de Priscilla. Les deux ont demandé le divorce pour le 12 août 1972. 18 août. 18 août, c'est incroyable. 1er novembre 72, sortie d'un film d'un concert américain de 72, mettant en vedette Elvis Presley. Lors de sa tournée de printemps dans 15 villes, plus tôt cette année-là. Ensuite de ça, le 14 janvier 1973, date à laquelle est présenté le show Hola from Hawaii via satellite, au Honolulu International Center a été diffusé en direct par satellite à un public d'Asie et d'Océanie. Le 14 janvier 1973, le spectacle fut présenté avec un retard en Europe, aux États-Unis, pour éviter un conflit de programme avec le Super Bowl 7 et Elvis on Tour qui jouait dans les cinémas à l'époque. NBC a décidé de présenter un spécial télévisé de 90 minutes sur le concert diffusé du 4 avril 1973. 9 octobre 1973, finalisation du divorce des Presley. Vers la fin de 1973, Presley est hospitalisé dans un état semi-comateux. Ouais, c'est ça. Des effets d'une dépendance à la pétidine. Ce médicament est également connu sous le nom de mépéridine et vendu entre autres sous le nom de Marc Demerol. C'est un analgésique haploïde synthétique de la classe des phénylpipéridines. Ah, t'es bon, même. Excuse-moi, une maladie vénérique. Je sais pas. Malgré une santé dégradante, Presley entreprend un programme de tournée intensive, tu sais. Puis le 13 juillet 1976, son père, Vernon, et non Venom, s'était profondément impliqué dans les affaires financières de son fils, a congédié les gardes du corps de Memphis Mafia, Red West, Johnny West et David Ebler, et non Earl Ebner, invoquant la nécessité de couper dans les dépenses. Novembre 1976, Presley, sa compagnie de l'époque, Linda Thompson, Linda Thompson, se sont séparés et peu de temps après, il a pris une nouvelle petite amie, Ginger Alden, qui sera sa dernière petite amie. Et puis, le 31 mars 1977, annulation du concert d'Elvis au Bâton Rouge en Louisiane, car ce dernier fut incapable de sortir de son lit d'hôtel. Un total de 4 spectacles a dû être annulé et reprogrammé. Hein, Bâton Rouge? Pour Bâton Rouge, c'est un restaurant. Hein, Bâton? Non, c'est beau, c'est correct. C'est tellement cryptique, des fois, c'est pas évident. Non, c'est ça. C'est juin 77, sorti de son dernier single, Way Down. Yes. 6 juin 77... 2 mois avant qu'il meure. Yes. Date du dernier concert de Presley au Market Square Arena à Indianapolis. Sans succès, Elvis Presley fut déclaré mort à 15h30 au Baptist Memorial Hospital
Il avait seulement 42 ans. Oui, fait que malheureusement, c'est ça. Plusieurs hypothèses, dans le fond, sur la mort de notre ami Elvis. Son état de santé était toutefois problématique. Selon les expertises, son intestin, il était plus gros, il était beaucoup trop long. Fait que j'imagine que, dans le fond... Il chiait dans le corps. C'était... Non, c'est... Non, c'est pas drôle. Non, c'est vrai, c'était ça pareil. C'est quoi, il y en a un qui me dit ça. Excusez-moi l'expression, il y en a un qui me dit... C'est pas drôle, là. Là peut-être c'est... Non, c'est... Il y en a un qui me dit qu'il y avait un mois de marde dans le tête. Non, je sais, c'est pas drôle, là. Mais... Non, je sais, mais tu sais, dans le fond... Mais désolé, c'est drôle. Mais c'est pas drôle en même temps. Des sets de 4 mois environ ont été découverts dans ses intestins. C'est de 4 mois, c'est pas Il y avait peut-être la maladie de Crohn. Ça se peut qu'il y avait la maladie de Crohn. Ouais, comme Monroe, mais sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de traitement. Mais tu sais, s'il prenait beaucoup de d'amphitamine, comme tu disais tantôt, ben ça se peut que ça allait tout genre scraper ses intestins. Là. Parce que c'est dans la série Hollywood Autopsy, là, lui, là, tu travaillais pour Elvis, là, tu travaillais 24 heures pour Elvis. Là. T'sais, lui, il demandait, mettons, des cheeseburgers et une omelette à 3h du matin, il fallait que tu y en fasses. Tu sais, comme Homer, là, quand il voulait des coquelettes de porc à 3h du matin, c'était pas la même affaire. Là. Exact. Puis dans le fond, Elvis, il fumait pas. Yes, c'est ça, il fumait pas. Ses poumons, on monte donc. Il était dans un état grave puisqu'il était la cible de faire de l'emphysème, mais il fumait pas. Non, c'est ça. Tout ça pour dire que, tu sais, Elvis, quand il voulait quelque chose, puis c'était une personne qui était très, très, très généreuse. Je me suis fait dire qu'il donnait des voitures. Oh, oui! J'ai une anecdote aussi. Ben, j'imagine que certains, puis d'ailleurs, restez avec nous, on va vous montrer la vidéo de Danny par la suite. Et puis, dans le fond, je ne sais pas si tu es au courant, mais à un moment donné, il semblerait que Elvis aurait... il aurait découvert comme... comment qu'on appelle ça, donc, Charlevoix? Puis ça a l'air qu'il y aurait... Charlevoix et Baie-Saint-Paul, puis tout ça? Oui, il y aurait... il y avait une place où est-ce qu'il aimait manger un burger. Il prenait un hélicoptère, puis il s'en allait là-bas manger un burger dans un restaurant. Mais OK, moi, je pensais qu'il allait brûler des lampions. Non, 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 pas à tout. Non, ça aurait vu. Mais non, mais tout ça pour dire que ça a l'air qu'il y a eu des visites de Elvis Presley à cet endroit-là. Puis dans le restaurant, si je ne m'abuse, il y a encore une photo d'Elvis dans le restaurant avec une signature de ce dernier. Mais pour revenir à certaines hypothèses, les médecins auraient aussi constaté que le King était touché par des problèmes cardiovasculaires, ce serait la cause de sa mort. L'autopsie a montré que son cœur et son foie étaient aussi beaucoup plus gros qu'à la normale. Lorsque le chanteur est mort, il était donc en surpoids et surtout gravement malade. Ce sont tous des facteurs qui ont entraîné sa mort. Son cœur aurait lâché puisqu'il était fatigué. Toutes les hypothèses ont été faites concernant son décès, qui reste aussi mystérieux que le chanteur. Il était un mythe pour plusieurs personnes dans le monde entier. Puis tu peux finir avec Dans la journée du 12 janvier, sa fille Lisa Marie a fait un arrêt cardiaque à sa résidence de cette année, dans le fond. Oui, c'est ça. De Calabasas, en Californie. Le cœur de Presley a été relancé après l'administration d'un massage cardiaque en route vers un hôpital. Elle est malheureusement décédée plus tard dans la journée. On en a déjà parlé, en plus, dans une émission, il y a de ça... Il y a une couple de mois. Alors, c'est ici que se termine la première partie de notre émission, mais restez avec nous, puis on va faire une deuxième partie, puis cette partie-là va être avec Danny. Je pense que ça va être plus simple. Donc, le mot de la fin, juste avant. Oui, puis c'est ça, restez, puis attendez de voir le musique, ce gars-là. Là. Vous allez voir que l'action ne manquera pas. Au revoir!